Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 33 de Dragon Age 2. Il est 23h21 et on est le 8 mars 2015, toujours le 8 mars. On a la clé, on peut sortir. Ce serait bien notre issue. Ça pue. Combien de temps pour revenir? Si nous jouons de malchance, une semaine. Et avec de la chance? Nous trébucherons sur le cadavre de Bartrand en chemin. À la base. Chaque classe dispose d'un moyen unique d'éviter les ennuis. Les guerriers peuvent utiliser Bastion pour dévoiler l'évasion et les mages ont mental. Ont mental, c'est super. Bon, bah, on l'a pas eu. De retour au bercail. Enfin. Ah, je me demande si Bartrand est retourné en ville. Vous croyez que j'aurais eu cette chance? Bartrand doit mourir. Faites-moi savoir lorsque vous l'aurez retrouvé. Ouais. Faites-moi confiance. Vous serez le premier à savoir. Notre trésor dépasse de loin l'idole miteuse de Bartrand. Il va être vert de jalousie quand il le saura. Dès que possible, j'informerai mes contacts pour être sûr d'avoir les meilleurs prix. Vous allez sûrement vouloir rentrer et annoncer la bonne nouvelle à votre famille. Nous allons être riches. Je sais pas pourquoi la famille ça pue. Ah, ça va. Oh, la sœur, nouvelle tenue. Que se passe-t-il? Pitié, ne faites rien. Maîtresse Bethany va être escortée au cercle des mages de la potence. C'est la peine de mort. Vous ne l'emmènerez pas. Jusqu'à mon dernier souffle. C'en est terminé, ne compliquez pas les Mais choses. Mais non! Mais non! Trop pas. La chance vous sourit. Sa coopération nous pousse à vous épargner la punition réservée à ceux qui dissimulent un mage dangereux. Pour cette fois. Mais non. Oh, Bethany, que va-t-il se passer? Pas d'inquiétude, mère. Tout ira bien. Occupez-vous d'elle, grand frère. Non. Putain, j'aurais dû l'emmener, en fait. Oh. Ainsi donc, la sœur du héros appartenait au cercle. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les liens que vous cherchez à établir. Vraiment? Chassée de chez eux, et sa sœur enlevée contre son gré? Et que penser des compagnons du héros? Meryl, Aveline, Isabella et Ander, le garde des ombres. Inutile de me le rappeler, c'est moi qui les ai présentés. Nous pensions qu'ils venaient tous de Ferelden, mais à présent tout c'est clair. Un mobile et une occasion d'agir. Vous n'y êtes toujours pas. Dites-moi en plus dans ce cas. À moins que votre opinion ne soit déjà faite, je peux partir si vous n'avez plus besoin de moi. Dites-moi ce qui s'est passé ensuite. Le trésor que nous avions trouvé dans les tréfonds fit notre fortune. Le héros ne tarda guère à s'élever dans l'échelle sociale, littéralement. Il s'offrit un domaine dans la haute ville. De la canaille au vicomte, toute la cité le connaissait. Bethany intégra le cercle. Il n'y avait plus rien à faire pour elle. Pauvre petite. 3 années après, les Kunari, eux, étaient toujours là. Les Kunari ne bougeraient pas. Ils attendaient leur navire. Mais nous savions que c'était faux. Ah, oh, dégoûté, on perd notre sœur. On va la chercher quand même. Bon, on va au cercle. Allez. Le camp ne devait pas être permanent. Certains s'inquiètent que l'influence Kunari ne soit plus endiguée. L'a-t-elle jamais été?
Kirkwall est déjà assez sous tension entre les mages et les Templiers. Mais les Kunari... Ils se posent là, tels des gargouilles attendant le créateur sait quoi, et ils rendent les gens fous. Je me tiens au milieu des fanatiques depuis près de 4 ans. Et maintenant, ça. Ne faites pas durer le suspense. Laissez-nous. J'ai Meredith sur le dos, Orsino dans les pattes, et une ville effrayée par d'hérétiques géants. L'équilibre s'est maintenu car les Kunari ne demandent rien. Même l'espace dans la basse ville a été un présent pour les contenir. Mais maintenant, l'Arishak vous fait demander, nommément. Qu'avez-vous fait ? Pas grand-chose, c'était bref mais intense, ouais. J'ai réussi à capter son attention à quelques reprises. Peut-être l'ai-je impressionné, mais c'était il y a des années. C'est insensé. Et ça n'a aucune importance. Je demande seulement à ce qu'il soit calmé. Je n'ai pas oublié la façon dont vous avez aidé mon fils. Il semble que votre influence dépasse votre propre entendement. Parlez à l'Arishak. Donnez-lui ce qu'il demande pour préserver la paix. Pouvez-vous faire cela pour Kirkwall, Serahawk ? Qui en veut au Kunari, ouais. Comment va votre fils? Les années ont-elles été favorables à Saemus? Il est indépendant, mais vos agissements l'ont quelque peu calmé. Il n'est plus aussi enragé contre le monde. Je vous en remercie. Certes, je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, mais je suis fier de ce qu'il devient. D'accord. Pourquoi ne pas expulser les Kunari? Ok. Bon, allez, on va aider. Je cherche toujours à offrir mon aide. Même si j'ai... C'est le genre d'attitude abusé. Dont a trop longtemps manqué cette ville. Ouais. Calmez l'Arishak. Prenez connaissance de sa requête et laissez-le retourner à son repos. Aussi délicat que cela ait pu être, c'est toujours mieux que la solution alternative. Nous courons à notre perte, ouais. C'est sûr. Ouais. Donc... Je vais vous faire juste une ellipse, puisque je vais regarder. Là, je suis trop dégoûté d'avoir perdu ma sœur. Franchement, donc grave dégoûté. Et je vais essayer de voir si je de l'emmener, ce que ça donne. Et bah, moi, je reprends à peu près ici. Voilà, selon comment ça se passe. On va voir ça. Bref, je vous fais une ellipse encore. Et puis ça va être... Enfin bref, on va voir. À tout de suite. Bon, du coup, je suis à la ville. Et c'est ça que je voulais vous faire voir, le précis technique que j'avais eu. Hop, ça m'a donné un petit point en cadeau. Oh, c'était juste ça. Acheter deuxième. Voilà. Tiens, si on va prendre aussi les 4 là. Au passage. Voilà. C'était juste ça que je voulais vous faire voir parce que là, je suis revenu quelques épisodes avant. Comme vous voyez, il y a Bethany. j'ai bien juste de communiquer avec Bartrand qui m'a dit, je vais diger les sous, c'est bon. Hop, il me reste à faire les niveaux du copain. Et pardon, et c'est bon. Donc je vous reprends dès que j'ai fait tout ça. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Ah là, nous sommes devant. Bon, je vous reprends un peu vite fait. Hop, je vais même relancer le chrono comme ça, je vais me faire avoir. On va repartir un peu ensemble. Tout le monde on connaît prêt. Les dialogues, allons-y. La route. Nous emprunterons. Gros risque, grosse récompense. Alors, on va s'amuser. Je sais plus quoi. Pardon. Alors voilà, la mère veut pas. Je dois savoir une chose. Comptez-vous emmener Bethany avec vous? Oui, on emmène Bethany. Je ne peux laisser Bethany en retrait, j'ai besoin d'elle. Mère, tout ira bien. Je veux y aller. Non, vous ne pouvez pas partir tous les deux. Et s'il vous arrivait malheur? Voilà. Donc, je comprends. On connaît les speeches. Et donc, on prend Bethany. Et là, forcément, là, j'ai cherché sur Internet comment la garder. Et je suis tombé sur un truc où il fallait prendre Randers. Donc, je me suis un tout petit peu spoilé, mais vraiment léger. Je ne vais pas vous spoiler de toute façon, vous.
Voilà, faut prendre Anders. De toute façon, je peux voilà, prendre deux mages. On verra ça. On part ensemble. Bon, lui, il faudrait que je le stuff, mais il n'est pas du tout stuffé. C'est pas grave. Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir emmener Fenris. Et déçu d'emmener. pardon, Varric. Mais c'est pas grave. Par pitié, Bethany, n'y allez pas. Ne faites pas ça. Tout ira bien, mère. Oui. Croyez-moi, tout se passera pour le mieux. Carrément. Vous verrez. Fin du drame familial. On peut y aller. Voilà. T'en as mis du temps, mon frère. Pour sûr. Direction les tréfonds. Voilà. Alors, moi, je vais de mon côté tout enregistrer. Voilà, parce qu'il y a... Voilà, s'il y a des passages qu'on n'avait pas vus, si ça se passe différemment, je vais essayer de vous coller ça. Non, c'est impossible. Hein, on l'avait vu, ça? Le héros et sa sœur apostate sont venus à Kirkwall dans le seul but de déclencher une... Pourtant, vous affirmez le contraire. Comme par hasard, le héros aurait trafiqué avec les Kunari, on l'avait déjà vu, rallié un pirate notoire. Oui, on l'avait déjà vu. Il... Voilà. Il y a eu... Hop, on l'avait déjà vu. Tu me prends pour un abruti de cochard, Marie. Moi, je... Les éclaireurs ont dit que les voies parallèles étaient trop dangereuses. Qui devrait faire l'affaire. Putain. C'est en mode assassin, on l'a pas encore. Bon, et ben, déjà un petit passage sympathique. Bon. Cette partie des tréfonds me dit quelque chose. Nous revoilà au point de départ, et en seulement 5 jours. Pas mal, hein? Pourrions-nous ralentir? Je ne me sens pas bien. Nous pouvons faire une petite halte. Montons le camp si vous êtes malade. Je parie que c'est à cause des champignons des tréfonds qu'on a trouvés. Oh! Non, je... Bethany. C'est la maladie. Je la sens. Je vais finir comme Wesley, c'est cela? Nous allons trouver une solution. Ouais. Il doit bien y avoir un moyen. Je ne tiendrai pas jusqu'à la surface. Anders, l'évolution se fait rapidement. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Ah oui, Anders. J'ai volé ses cartes à un garde de passage à Kirkwall. Je voulais savoir s'il était à ma recherche. Ce n'était pas le cas. Elles servaient à préparer leur propre expédition dans les tréfonds. Ouais. Est-ce que ça nous aide? Vous voulez dire que les gardes des ombres sont ici? Si les gardes sont dans le coin, je sais où les trouver. Amenons-leur Bethany. Et après? Elle va devenir garde des ombres? Wow. Non. Cela fonctionnerait-il? Devenir garde des ombres peut le sauver? Oui, c'est possible. La sauver. Mais il y a un prix à payer. Un prix qui ne convient pas à tout le monde. Qu'est-ce que c'est, ouais? Quel prix? Par le créateur, crachez le morceau. Le fait de devenir garde des ombres est...
désagréable et irréversible. Il se peut aussi que vous ne revoyez plus jamais votre sœur. Il se peut qu'elle survive, mais le paiera chèrement en devenant garde des ombres. C'est une vie austère, croyez-moi. Il serait d'accord. Est-ce possible? Comment devient-on garde des ombres? Je ne peux vous en parler, mais lorsque c'est fait, personne ne peut le défaire, même si on le souhaite. Ça me paraît mieux de minute en minute. Il se peut qu'ils acceptent, cela dit, à condition de les trouver à temps. Bon, bah, de toute façon, pour faire... S'il y a une infime chance, saisissons-la. Ouais. Pourvu que j'ai raison. C'est pour ça qu'il fallait emmener Anders. Qu'y a-t-il? Ils ne sont pas loin, je crois. Ou alors, ce sont des engeances. Wow, la vache, c'est bon. Ah ah wow. Un petit bétanique. Je suis fait ça. Joli travail. Ander. Ander. Ah, amusant de vous voir ici, Stroud. Je pourrais dire de même. Je croyais que vous en aviez terminé avec les engeances. Je ne suis pas là pour les engeances. Je suis venu vous chercher. Oh la vache. Vous voulez faire d'elle une recrue? Bien évidemment. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas la réponse que vous attendiez, mais... nous ne formons pas de garde des ombres par charité. Vous avez préféré la laisser mourir? Vous trouvez plus charitable de laisser Bethany mourir de la maladie? Parfois, ça l'est. Stroud, avec la menace de l'enclin, les recrues ne font pas légion chez les gardes. Ce n'est pas aussi simple, Ander. Cela peut entraîner sa mort, vous le savez. Elle est condamnée de toute façon. Prenez-la avec vous et essayez. Je vous en prie. Ouais. Très bien. Je vais essayer, mais après cela, nous serons quittes. Si la fille doit venir, qu'elle vienne maintenant, mais vous ne la reverrez peut-être plus. Devenir garde des ombres n'est pas une guérison, c'est une vocation. Ouais. Êtes-vous vraiment sûr? C'est votre seule chance. Pardon, Bethany. J'aurais aimé que les choses se passent différemment. Nous devons nous hâter si nous voulons rejoindre la surface à temps. Voilà, c'est la fin. Prenez soin de mère. Putain, la vache. Dans tous les cas, on perd notre sœur. Ouais. Ah, c'est chaud patate. Du coup, ça va donner quoi? De retour au bercail. Enfin. Ça, on l'a déjà vu. Ah, je me demande si Bartrand est retourné en ville. Il doit mourir, croyez... on est d'accord. Ça ira. Bethany est forte. Ah merde, j'ai du passage, pardon. J'aurais dû le voir venir avec la trahison. J'imagine que vous... Ouais. Je n'ai pas vraiment le choix. Ouais. Vous allez être riche, Rook. Tout ceci n'aura pas été vain. Oh, mon petit, vous voilà de retour. Bethany n'est pas avec vous? Non. Va-t-elle arriver? Je ne sais pas. Pourquoi avez-vous fui? Vous n'auriez pas dû vous enfuir. Wow. Ainsi donc, la sœur du héros était un garde des ombres? Oui, mais ça n'a rien à voir avec les liens que vous cherchez à établir. Ok. Vraiment? Bon, ça on l'a déjà vu.
Putain, c'est chaud patate, comment on garde notre sœur? Donc ça, on l'a vu. Neuf. Mais qu'avez-vous fait? Parler à Larry Shack. Ouais, je l'ai dit, évidemment. Hop. L'idée de démissionner me là. Séduit de plus en plus. Et je trouve qu'il y a un truc. Vous avez une mine radieuse, Sera. Bah, pas trop, non. Bon, on verra ça plus tard. Je vais juste regarder un truc et puis. Ça va être où si on a là, d'accord. Et là, il n'y a pas Bethany. Ok, bon, bah, de toute façon. Ok. Oh, bah. On s'en fout, on prend pif, allez. Voilà. Ouais. Du coup, on va reprendre. Je préfère quand elle était. Au moins, on aura vu. Mais je. Non, là. Partir malade. Non, je préfère qu'elle soit chez les mages. Au moins, on aura peut-être des chances de la revoir. Alors, charger, je sais plus c'était laquelle en plus. Il va falloir que je retourne l'épisode 33, d'accord. Ok. Allez, on va faire une sauvegarde déjà. Une sauvegarde allez, alternative. On va faire la sauvegarde 33-2. Hein? On va voir ce que c'est. Bah, du coup. Voilà. Bon. Je pense que là, ça fait un petit moment dans l'épisode. Je sais pas du tout combien ça fait. Dans tous les cas, on avait tourné combien de temps? On avait tourné au moins 10 minutes. Donc là, ça fait plus de 10 minutes. Donc je pense rien qu'avec ce dernier épisode là, l'épisode 34, on va se reprendre là où on était la dernière fois, c'est-à-dire là où je vous avais abandonné avant de faire l'ellipse. C'était avec Bethany chez les. Au cercle des mages. Voilà. Bref, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Allez, ciao tout le monde! Oh